Het is verschrikkelijk. Het zachte geluid van een hardgekookt ei. Gebroken op de rand van de grootste. Het is een verschrikkelijk geluid. Wanneer het woelt in de herinnering van de hongerige man. Il est terrible ce bruit, quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi, la tête de l'homme qui a faim, quand il se regarde à 6 heures du matin dans la glace du grand magasin. Cette couleur de poussière. Ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Botin. Il s'en fout de sa tête de l'homme, il n'y pense pas. Il songe. Il imagine une autre tête, une tête de veau par exemple. Avec une sauce de vinaigre ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire, doucement. Et il grince des dents doucement. Car le monde se paye sa tête. Il ne peut rien contre ce monde. Il compte sur ses doigts. Un. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau se répéter depuis 3 jours. Ça ne peut pas durer. Ça dure. 3 jours. 3 nuits. Sans manger. Et derrière ses vitres, ses pâtés, ses bouteilles, ses conserves, poissons morts protégés par des boîtes. Boîte protégée par les vitres, vitres protégées par les flics, flics protégés par la crainte. Que de barricades pour si malheureux sortis. Un peu plus loin le bistrot, café crème et croissant chaud. L'homme titube et
dans l'intérieur de sa tête un brouillard de mots, un brouillard de mots. Sardines à manger, œufs durs, café crème, café arrosé rhum, café crème, café crime, café crime arrosé sang. Coffee crime, sprinkled with blood. Coffee crème, coffee cream, coffee crime, sprinkled with blood. Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs, soit un café arrosé, 0,70 francs de tartines beurrées, et 500 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible, le petit bris de l'œuf dur, cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Petit prix de l'œuvre.